à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci ce sera mon premier swap. Donc si ça vous intéresse de regarder ça et ce qu'il y a dedans, eh bien continuez de regarder. Donc pour tout vous expliquer, une jeune demoiselle que je ne connaissais pas du tout avant a proposé une sorte de groupe pour faire des échanges de swap. Donc du coup il fallait qu'on se trouve des binômes, etc. Donc il se trouve que mon binôme c'était justement elle. Et du coup moi je lui ai envoyé il y a quelques temps déjà mon swap, parce que j'étais en train de déborder sur le montant qu'on s'était donné. Donc je me suis dit, il faut que je lui donne maintenant, sinon je vais me ruiner. Et là je viens de recevoir le sien, donc j'ai pas eu le temps de le filmer avant. J'étais le chercher hier en Colissimo, en voilà colis, donc voilà. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, donc je ne me rappelle plus combien on avait mis. Je crois que c'était une trentaine d'euros, il me semble. Enfin, je vous redirai si je me suis trompée, mais voilà. Donc c'est vrai que ça va vite pour atteindre la somme, mais bon, c'est vrai qu'au période de Noël, on n'a pas toujours les moyens de faire de gros cadeaux. Donc c'est parti. Alors, j'ai commencé à l'ouvrir quand même. Donc, hop. Mon chat a joué un petit peu avec, donc je sais pas trop si ça va être dans... Comme c'était normalement présenté. Donc voilà comment c'était. Je l'ai retrouvé tout à l'heure sur le lit, donc je pense que le chat a bien aimé. Ah, déjà. Donc j'ai une petite enveloppe, donc vraiment trop mignonne. Voilà. À ma jolie swappeuse. Donc c'est trop mignon. On va enlever le petit autocollant. Je vais essayer de pas tout casser. C'est pas forcément facile. Mais c'est tellement mignon que... Voilà les petites lettres. La petite lettre. Donc sur deux feuilles. Mais trop mignon avec un petit ange et tout. Donc je vous épargne la lecture parce que bon, ça risque d'être long, mais c'est vraiment trop mignon. Donc voilà. Donc je pense pas qu'il y ait d'ordre. Je vais regarder. Donc non, il n'y a pas l'air d'y avoir d'ordre. On va commencer par celui-ci. Comme c'est déjà... transparent, voilà. C'est celui qui tape le plus au regard, au premier regard. Donc on va regarder ce que c'est. Là on a le premier pour les cheveux et la peau. Je connais pas du tout cette marque, c'est la marque Si. Comme ceci. Je vous referai des petites photos parce que comme d'habitude mon appareil ne fait pas de mise au point. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Donc ça, il n'y a pas trop d'odeur parce que c'est bien emballé, mais. Bon, moi je vais tester, ça me fera des petits échantillons. Donc là c'est une autre parfum, Moment de bonheur d'Yves Rocher. Donc ça a l'air super sympa. Ensuite on a de Culture Bio, une crème du réveil, aux extraits de 11 plantes bio, stimule, hydrate et protège. Voilà. Ça je l'ai adoré. Une crème onctueuse parfumée de Lolita Lempicka, ça j'adore. Ils disent pour le corps et les mains, ça c'est vraiment des odeurs. Déjà rien qu'à travers le paquet que j'adore. Ensuite on a un petit échantillon de parfum, de shampoing. Pour les cheveux colorés ça tombe bien, vu que j'ai des mèches. Impeccable. Alors c'est vrai que quand on a commencé à se parler un petit peu toutes les deux sur Facebook, on s'est trouvé vraiment plein de points communs, alors qu'au final au départ on ne se connaissait pas du tout. C'est ça qui était le plus marrant au final. Alors là on a une lotion solaire, donc pour l'été prochain ça sera super sympa. De la marque Hawaii Tropic. Très résistante à l'eau, voilà. Ça donne déjà envie d'être en été. C'est dommage, on en sort. Et un échantillon de Zadig et Voltaire, de l'eau de parfum. Donc ça, j'avais vraiment envie de tester ce parfum, ça tombe bien. Je sais pas du tout ce qu'il sent, etc. Mais... Donc avec un petit nœud que je vais garder comme d'habitude. On va commencer par les casas, tiens. Vu qu'il n'y a pas force, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'ordre. J'espère pas en tout cas. Là, ça fait du bruit déjà. Je dirais un minuteur, j'ai peur de me tromper, mais ça y ressemblerait bien en bruit, ou un réveil, excellent. Alors ça j'avoue, j'adore. Donc ça, c'est bien un minuteur, en forme de cône de glace, c'est trop génial, oh, j'adore. En plus cherry, ça tombe bien. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit papier dedans, oui, petit papier. Bon je te l'accorde, petit craquage pour ce minuteur gourmand. Qui t'accompagnera dans la cuisson de tes super cupcakes, j'en suis sûre. Ah ben là, t'as tout à fait raison, c'est génial, j'adore. J'ai déjà hâte de l'essayer parce que je crois que le mien, il a l'air de déconner un petit peu. Il est trop trop beau, j'adore. Je crois qu'il ira directement sur mon Formica, ça ira bien avec. Donc voilà pour le premier. Deuxième, bon ça fait pas de bruit déjà. On va pas trop brasser parce que si ça casse, j'aurais l'air bête.
On dirait une gosse à Noël. Génial. Un sel et poivre. Oh, c'est trop mignon. En forme de théière. C'est excellent. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je vous mettrai plein de photos. C'est trop bien. Alors, et puis toujours les petites cartes un petit peu avec des cupcakes, comme ça c'est trop fort. Petit set rétro de salière et poivrière pour assaisonner tes petites recettes. Oh, c'est génial. Je savais même pas qu'on pouvait trouver des choses comme ça. C'est excellent. Trop bien. Alors déjà, rien qu'avec les deux premiers, je suis déjà super contente, quoi. Alors, le troisième, il est là plus grand déjà. C'est trop beau. Alors déjà, je peux déjà vous montrer comme ça. Déjà, rien que l'emballage est super beau. Et dedans, voilà. Alors, nous avons lotion corporelle, gel douche, savon et exfoliant corporel. Et c'est de la marque Belle de Jour Vintage Collection. Oh, j'adore, c'est trop trop beau. Et je connais pas du tout cette marque là, j'en ai entendu parler un petit peu sur Facebook et sur YouTube, mais j'ai jamais testé, alors ça a l'air trop trop bien. Oh, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Alors, voici un petit coffret qui te charmera par ses parfums d'antan, je l'espère. Alors, je sais pas si les parfums sentent bon, mais déjà, le paquet et les packaging sont sublimes. Oh, j'adore. Ça donne même pas envie de le déballer, tellement c'est beau. Oh là là. Puis c'est des bons échantillons parce que 100 ml, 80, 90, enfin, il y a déjà de quoi bien tester. Franchement, c'est trop beau. Je suis trop gâtée déjà. Ensuite, celui-là il me fait de l'œil. Alors j'aurais peut-être dû m'équiper de ciseaux. Qu'est-ce que c'est? Ouh. Ouh là là, déjà. Bougie parfumée aux fruits rouges. Oh, c'est trop beau. Avec une petite tasse au-dessus et tout. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Bougie parfumée dans son packaging, accompagnée d'un lot de mini bougies colorées qui, je l'espère, t'accompagneront, trouveront une jolie place dans ta jolie demeure. Ah bah là, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Je vais leur trouver de la place, t'inquiète pas. Je vais sentir parce que... Ah oui, ça sent vraiment les fruits rouges. Là, on y est. On y est jusqu'au bout. Alors, c'est du magasin Atmosfera, créateur d'intérieur. Je connais pas du tout. Et c'est trop trop beau. J'adore. Rouge, forcément. Voilà. Et donc je suppose que ça, c'est ce qui va avec. Et les petites bougies qui allaient avec. C'est trop beau. On dirait des coupes à glace. C'est trop beau. J'adore. Alors, on a les odeurs, non? Non, je sais pas qu'est-ce qu'elles sentent, mais... Coffee aroma. Elles sont trop belles, ça donne même pas envie de les brûler. Elles sont tellement belles que je crois qu'elles vont rester comme ça, celles-ci. Elles sont trop trop belles. Bon, je sais pas si ça sent, j'ai pas envie de les déballer tout de suite, mais... Elles sont trop belles, j'adore. Là, tu m'as bien gâtée déjà pour l'instant. On en est qu'à 3, 4, 5... 5 et plus les petits échantillons. Mais déjà, rien que là, je suis déjà gâtée. Celui-ci. Oh là là, elle est trop belle. Elle est trop belle. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de montre, mais elle est trop belle celle-là. Je crois que je vais pas arrêter de la porter. Elle est trop belle. Oh là là. Je me répète un peu, je crois. Montre fleurie pour une jolie veillée. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas eu une à mon poignet. Et j'adore, franchement. Bon bah direct, je l'adopte. Oh. Waouh. Alors on va les coller. Une mini pack, une mini bouteille de coca. Alors, petit rouge à lèvres simple Coca-Cola, couleur cherry pour faire de jolis baisers sucrés. Mmh, j'adore. C'est excellent. Alors, je le dévisse. Ah ouais, c'est génial. Oh, trop fort. C'est pareil, lui, il faut qu'il reste tout le temps sorti pour le voir. Il est trop beau. Petit accessoire cheveux que tu n'as pas déjà, je l'espère. Eh bien, franchement, non, je ne l'ai pas. Et ça ira parfaitement. Non, franchement, je ne l'ai pas celui-là, c'est génial. La petite cerise qui me manquait. Ensuite, donc ça, je m'en doutais, c'est parti. Donc, je vais peut-être devoir le recoller. Je sais pas si... C'est... Ouais, je le recollerai. Mais je m'en doutais parce que j'ai vu que ça s'était enlevé. Donc, voilà un petit panier qui a marqué. À l'intérieur de cette jolie boîte fleurie, un pendentif qui m'a tapé dans l'œil.
petite dédicace à ta passion qui te plaira autant qu'à moi, je l'espère. Alors, voilà. Oh là là, il est trop beau. Alors, je vais vous le montrer comme ça déjà. La petite boîte. Déjà, la petite boîte est trop belle. Et le collier, mais juste, juste, il est trop beau. Oh là là. Franchement, ouais, il est trop, trop beau. Petit appareil photo. Oh là là. Génial. On va l'essayer tout de suite. Trop fort. Ah, j'adore. Bon, je vais le garder aussi, tiens. Alors, dernier cadeau que tu aurais dû avoir. Encore désolé, en espérant le recevoir un jour. Oh, il n'y a pas de souci, hein. C'est pas ta faute si tu l'as pas reçu à temps. Hein. Il n'y a vraiment pas de souci. Alors, ah oui, d'accord. Petits flamants roses qui pourront agrandir ta collection girly. Alors, en fait, le cadeau pour l'instant, elle n'a pas reçu. Parce qu'il y a des petits soucis, je crois, avec la poste. C'est une tête d'oreiller flamant rose. Alors oui, c'est vrai que j'espère que tu vas le recevoir parce que c'est juste super beau. Mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Je sais que c'est pas de ta faute. Hein. On fait comme on peut avec la poste, malheureusement. Voilà. Et j'ai un petit magazine que je vais pouvoir lire avec plaisir. Donc celui-ci, la madame. Alors ça, je vais m'amuser à pouvoir le lire. Donc franchement, j'avoue que tu m'as bien gâté quand même. Hein. Donc j'espère que mon swap à moi t'a plu autant que le tien m'a plu, franchement c'était super, j'adore. Donc pour un premier, c'est franchement pas mal. Je sais même pas quoi dire. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les produits vous auront fait découvrir d'autres choses. Parce que moi il y a plein de choses que je ne connaissais pas du tout dans les marques, etc. Donc franchement je vais pouvoir tout ranger ça et puis m'amuser. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous a plu. Si celle-ci vous a plu, bien évidemment, mettez un petit pouce vers le haut, ça me fera toujours plaisir. Et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.